et c'est l'instant pour une nouvelle vidéo GTA 5 Online Wizbox en mode histoire. Alors je vais vous apprendre un truc que vous avez peut-être pas, qui peut être très très utile si jamais vous avez les flics. Alors, en fait, vous allez tout simplement, non, je vais faire déjà la première personne, vous allez prendre l'arme que vous voulez qui peut vraiment vous sauver la vie, comme il y a marqué dans le titre, ou vous sauvez tout court, et ou vous aider quoi. En fait, vous allez viser. Vous allez faire tout simplement flèche de gauche, hop là j'ai lancé un C4, et en fonction que vous avez choisi, ben, grenade, fait... non, du coup il faut que je la lance, non même pas, du coup, ben, là j'ai pris la grenade, je vise, flèche de gauche, je lance, et voilà, normalement j'ai lancé, voilà, elle est lancée, là, elle est là, et en fait, par contre, en fait, ben, là, je vous montre un exemple, il y a un dé. En fait, on peut pas faire tirer et balancer son C4 en même temps. En fait, on est obligé de d'attendre quelques petites secondes pour apprendre. Regardez, hop, voyez, là il tire plus et bah là il retire. Regardez, bon, vous avez quand même le viseur parce que d'habitude, voyez, vous faites ça. Vous avez les flics par exemple là, et bah le temps que vous prenez par exemple ça, vous tirez dessus et quand vous lancez, bah vous faites, vous êtes mort, et bah là vous avez juste à faire ça. Hop, la flèche de gauche. Non, ça... Et vous l'envoyez tout simplement. Like, flèche de gauche tout en visant. Regardez, hop, comme ça. Voilà. Là, vous plus qu'à faire exploser. Bien sûr, ça marche sur toutes les armes. Regardez. Hop, voilà. Par contre, pas les snipers. Et par contre, ça. Non, ça marche pas avec les lance-roquettes. Bon, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi, je vous dis à la prochaine. Salut.